Coucou tout le monde, on est reparti sur Bomber Crew. J'ai vu qu'une vidéo ne vous a pas satisfait car vous avez été vraiment, vraiment nombreux à demander de faire un let's play. Ça tombe bien, j'aime bien le jeu et également j'ai fini mes vidéos sur Ostrive. Donc on est reparti pour quelques petits épisodes. Alors dans le premier épisode, on avait fait 3-4 missions. La première était pas terrible, les autres se sont bien passées donc je suis content. Du coup j'ai eu pas mal d'argent pour améliorer mon avion et mon équipage. Là il me reste pas grand chose mais je vais quand même voir est-ce que je peux mettre une tourelle ventrale sur mon avion. Donc vous voyez en dessous, vous m'avez dit de le faire dans les commentaires et je trouve effectivement que c'est très logique car celle dorsale est celle qui peut attaquer le plus de gars. Donc je me dis que celle ventrale va effectivement peut-être me permettre d'attaquer devant et derrière également, ce qui serait vraiment pas mal. Alors pas sûr. Ok, donc c'est pas sûr, mais bon, je pense quand même que ça serait possible. Au pire, ça attaquera mes cibles devant. Bon, alors, si je veux mettre la MK1, celle qui coûte le moins cher, il me manque un petit peu d'argent, et je dépasse la limite de poids, donc il me faudrait 1750, plus un nouveau moteur, alors pas le blindé, car il pèse lourd, et il diminue le poids que je peux transporter, le MK2. Ouais, donc il me faudrait au moins un moteur, en plus, donc il me coûterait 250, et... à 1000 crédits, donc ça me, il me faudrait 2750 pour faire l'amélioration, donc on va devoir attendre, là, je peux pas le faire tout de suite, c'est pas grave. Ah, je vais quand même mettre, hop, dessin avant, mon petit dessin personnalisé, le DF, pour que les ennemis sachent qui arrive, et on est parti en mission. Donc je vais pas mettre de meilleur équipement à mes personnages, je veux vraiment améliorer l'avion, hein. C'est la star du jeu, donc c'est lui qu'il faut améliorer. Alors regardons les missions, c'est rouge, ouais, risque élevé, oh purée, j'ai 3 élevés, pourquoi 3 élevés? Nous avons découvert une multitude de sites V1 prêts à tirer sur Londres. Ne laissez pas ces requêtes passer. Ok. Ah, toujours risque élevé. Par contre, durée courte, l'autre c'était durée moyenne. Il me semble le chantier d'une installation a été découvert. Il semble qu'elle sera en mesure de tirer des choses beaucoup plus imposantes que ces requêtes V1. Nous devons détruire le site. Purée. Et là, également durée courte. Ah, par contre, avantage bonus de réussite de mission. Dégâts ennemis réduits pour les 2 prochaines missions. Oh, ça c'est bon ça. Donc il faut la faire en premier. Nous connaissons le lieu de stockage des munitions de l'ennemi à Bruges. Nous affecterons de manière significative leur approvisionnement. Ok. On va le faire. Alors, voici mes petits gars qui vont probablement mourir, je pense, dans la mission, vu qu'elle a l'air assez dure. Je sélectionne mon pilote, je lui dis de décoller. Toi, tu vas lâcher... Ouais, là, on met le boost de carburant, et je vais plutôt te mettre ici, à la tourelle. Ok, et on va viser, donc je vous rappelle, on doit toujours viser pour aller à la bonne au bon endroit, ou pour viser les ennemis ou les cibles à détruire. Alors, dans l'épisode précédent, j'ai oublié une fois de rentrer... le train d'atterrissage, j'ai eu genre plein de gars qui me l'ont reproché, donc là je l'oublie pas, dès le début je le rentre, c'est vrai que ça consomme plus de carburant, et on est en avant, donc je vais accélérer, mais avant je vais prendre toi, et je vais faire un peu de radio de reconnaissance, on va voir si on va trouver un objectif supplémentaire. Nous recevons des rapports indiquant qu'un pilote ennemi, Félix Feder, est dans le coin. Oh purée, est-ce que ça veut dire qu'il y a un as chez les ennemis? Ouh, ça va me faire mal ça, ça est pas bon. Ok, on est parti... On regarde la map, on va aller, ok, de l'autre côté de la mire. Voilà. Donc je sais que c'est toi. Ah, les ennemis arrivent. Alors je vais utiliser dès le début mes compétences de concentration pour les éliminer avant d'arriver au bout. Donc dès qu'ils vont commencer à tirer, je vais lancer la concentration. Oh. Encore tirer car ils sont devant. Voilà, maintenant tu peux. Concentration également. On vise là-bas. Allez, il peut pas tirer. Sa concentration est gâchée. Je vais te faire retourner chercher des munitions parce que je sais que je vais tomber en panne rapidement. À court de munitions plutôt. Ok, vas-y là-bas. Et apparemment, Félix est dans le coin. Félix, oh purée, le voilà, Félix. Alors tuez-le si vous pouvez, Félix Feder. Je pense que ça a donné beaucoup d'XP. Toi, j'ouvre et je sélectionne une bombe. Est-ce qu'on est loin? Non, on n'est pas trop loin. Donc toi, tu vas aller chercher des munitions. Go. Bombe larguée, on va maintenant là-bas. J'ai pas pris trop de dégâts. Ouh, il y a des renforts, donc on va devoir faire vite. Ok. Vraiment, ça a l'air ok. On a l'air bon. Alors, prendre photo.
Hop, purée, Félix Fener est presque mort, génial. On a pris la photo, est-ce que vous avez... Alors, t'as pas de munitions. Concentration. Concentration. Et maintenant, on va rentrer à la maison. C'est là-bas. T'en es à où, Félix Fener? Félix Fener est presque mort. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à toi... Tu vas aller là et on va accélérer. Même si Félix Fener est presque mort. Alors, boost, ok. Je vais sélectionner toi, tu vas aller... Ah non, non, tu reviens en bas. Ferme les portes. Les portes sont fermées, tu vas en haut. Ok, je vais prendre le pilote. On va aller haut. Une altitude pour échapper à des gars. Je pense qu'il n'y a que le Ace qui va pouvoir me poursuivre. Yes, j'en ai eu un. Ah, oh, il y en a d'autres qui arrivent là-haut, purée. Ils arrivent de haut. Essayez la manœuvrie. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas avec le pilote. On fait une vrille. Est-ce qu'on a tué Félix? Je le vois plus. Je crois qu'on en a eu un autre. Boost rechargé. Ouh, j'ai réussi à tenir. J'ai réussi à tenir, c'est génial. Du coup, je vais prendre toi, je vais voir où on en est. Oups, puis regardez ce qu'il y a derrière moi. Ok. Donc bah maintenant qu'on est là, non pas comme ça, je vais dire au pilote de revenir en moyen, parce qu'on va devoir atterrir éventuellement. Ah, j'espère que j'ai... Je sais pas si j'ai tué Félix, j'ai pas pu voir, mais j'espère que... Voilà, alors, pour éviter d'avoir des problèmes de carburant sur le retour, on va se pencher. Voilà. On va économiser un petit peu. Côté lui, on va aller bas maintenant. On va redescendre à une basse altitude. Je pense qu'on les a semés. Regardez l'avion. Qu'est-ce qui se passe? Ah lui, il peut pas. Ok, il peut rien calculer à cause des nuages. Allez, rentrer. 2350 d'XP de gagné. Je crois pas qu'on a tué le Félix. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah, ok. Faut aller là-bas. Il me dit qu'il a plus de munitions, lui, maintenant. Bah, on va recharger. Tant qu'à faire, on sait jamais. Et maintenant, si maintenant, eux n'ont plus de munitions non plus. Ah, là-bas. Eh, mais je viens de vous recharger, les gars. Ah, là, je suis à 672. Non, je suis au maximum. Ok. Ah, ok, c'est ça. Bien réparé là. Oui, oula. Oula, ne tombe pas en panne maintenant, s'il te plaît. Ok, alors le pilote. Ok, sortir le train d'atterrissage. Le système oxygène a cessé de fonctionner. Et là, ça... là tout le monde... Là, on n'a pas besoin d'oxygène, là, à ce niveau-là, quand même, les gars. Nous approchons de Londres. C'est ça, Londres? Ok, c'est réparé. Tu as besoin d'aller réparer là-bas, non? Tu reviens là. Ouh, on va réussir. Se pencher, charger. Recharger. Il n'y a pas besoin. J'ai bien toutes mes roues d'atterrissage. Ouais, c'est bon. Réservoir 1, réservoir 2, on était bon au carburant, là, de toute façon. Tout le monde a survécu. Et là, on va avoir le bonus pour la mission suivante. Ça, c'est génial. Alors, résultat de la mission. Génial.
Félix, on l'a eu ou pas? Ah, oh, il s'est échappé, zut! Je le savais. Il y avait un gros bonus en plus. Ah, oh, il était genre à 20% de ses points de vie. J'aurais peut-être pas dû remonter, mais je sais pas si je peux le poursuivre. Faut peut-être le poursuivre en mettant des points. Ouais. Et du coup, on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça. Génial. On a plein de choses. Alors vous allez monter de level, je suppose, quand même. Hein, on a une grosse mission. Tout le monde est revenu. Hop, puis on a gagné que dalle. Et lui, il a une deuxième barre. Ok, pour le boost. Parfait. Du coup, on a des choses à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire déjà l'avion. Donc, ouais, la tourelle dorsale. On a dit qu'on allait la faire. Donc, moteur. Je me demande s'il y a un problème à mettre un moteur d'un côté. Il faudrait peut-être les faire de façon parallèle. Port externe. On va te mettre toi. 1000. Et on va mettre toi. Ok, voilà. Comme ça, c'est fait, c'est parallèle. Maintenant, tourelle. Ventrale. Ça coûtera trop cher pour celle-ci, donc on va mettre elle. Le problème, c'est qui c'est qui va s'en occuper maintenant. Qui va aller dedans. Ok, on la mise. On l'a mise en système. J'ai 1200 de restants. Je peux améliorer le fuselage blindé. Ouh, c'est tout. Ah oui, c'est pour devant. Bah ouais. J'ai pas l'argent pour. Si je fais ça, après, il me restera des miettes pour aussi. Mais j'ai des gars qui meurent et que je dois rééquiper à la fin de la mission. Ok, donc on est bon. Donc là, j'ai des meilleurs moteurs. Ah, et maintenant? Là, j'ai plus les difficiles. Risque faible. La cible d'aujourd'hui est une usine de chars située sur, près de Brême. Mettez leur service. Ok, il n'y a pas de bonus particulier. Durée courte, risque faible. Nous allons détruire le site et empêcher sa réalisation. Pourquoi j'ai pas les difficiles? J'ai le bonus. Regardez, dégâts pour ennemis réduits. Alors, est-ce qu'il y a une différence de prix au moins? 1800, 1200, non. Ne laissez pas les requêtes passer. C'est pas la mission d'avant, mais qui est devenue simple grâce au bonus. Ouais, c'est les... Ah, non, c'est bien les missions d'avant qui sont devenues simples grâce au bonus, d'accord. Ah, bon, on va faire elle, puis on va faire l'autre. Alors, nous devons détruire le site et empêcher sa réalisation. Mais on est parti. Là, je vais devoir utiliser pas mal de bombes. Ok, alors, le pilote. On démarre. Et on va aller là-bas. Ok. On rentre le train d'atterrissage. Parfait. Et en avant vers là-bas. Ok, alors je vais quand même voir avec le gars de la radio, voir si on n'a pas un objectif supplémentaire à trouver dans le coin. Et on va là-bas. Alors, je vais dire à lui de se pencher. On va utiliser un peu moins de carburant pour l'aller quand même. Comme ça va être bon. On a du temps. Accélérer. Ok. Ah, et là, j'ai plus le... Ok. Bon, du coup. Tu vas lâcher là. Tu vas aller là-bas. Toi, tu vas aller en bas. Ah non. Non, non. Je suis gouré. On est en train de tomber là, non? J'ai plus de pilote. Voilà, c'est mieux là. Allez là. Bon. Dommage que je peux pas avoir plus de membres d'équipage. Et lui il tire sans voir en fait, c'est ça? Ok, on va vers là-bas. Oula. Pourquoi le zigzag? Alors je mettais... Quoi cette histoire? Pourquoi le gros zigzag? On approche de Dunkerque. Ok.
Chasseur ennemi repéré sur le radar devant. Ah là, ça aurait peut-être été mieux pour eux, pour moi, si j'avais laissé le gars devant. Vu que là, on va là-bas. On va le sectionner lui. Ah, oh purée. Bombardement. Ouvrir les portes. C'est quoi ça? J'ai pas les mêmes. Pas les mêmes qu'avant. Il y a des ennemis qui arrivent de là-bas, mais j'ai pas le temps de les viser, je pense. Ils ont tout largué, c'est ça? Ok. On doit rentrer, retourner à la base, on va prendre le pilote, on va en hauteur. Ah, j'ai une possibilité de photo là-bas. Ouais mais je prends cher, hein, je prends trop cher. Il y a trop de gars, ok, il y a trop de gars. Toi, tu vas sortir, tu vas là-bas, toi tu vas récupérer les munitions. Toi également. Toi, tu vas passer en mode... Ah, pas encore. Toi, tu vas aller en boost. Ah, j'ai des gars à viser. Oh purée. Ok. Ok, on est bon. Ah non, non, reviens là, reviens là. Fermez les portes. Bon, vas-y. Oh, on les tue, on les tue. Il commence à avoir froid, lui. C'est une chose d'avoir froid. Ok, redescend. Ça n'a plus de munitions. Ok. Vas-y, concentre-toi, ça va te réchauffer. Il n'a pas de concentration. Il n'y a plus de munitions. Ouh, je crois qu'on les a semés. C'est un migrant plus froid. Le gars, radio de reconnaissance. J'ai pas pu prendre la photo, mais il y avait juste trop de gens, quoi. Là, fallait pas abuser, quoi. C'était juste trop bourrin. Même avec les améliorations, j'ai trop souffert, quoi. Alors, on doit descendre sous les nuages. Radio de reconnaissance, tu peux. Nouveau. Ah, voilà. Bon, on était sur le bon chemin, c'est parfait. Côté carburant, on est bon. Donc, on accélère. Ok, on sort le train d'atterrissage. Ouh. J'ai toutes mes roues, c'est bon. Moi j'ai gagné moins d'XP là parce que j'ai tué moins de gens. J'aurais peut-être pu tenir un peu plus, mais c'est vraiment facile d'avoir les choses qui tournent très mal dans le jeu. Et on est rentré, génial. L'équipe de héros qui tient et qui meurt pas. Résultat de la mission. Alors, tac. Pas de choses supplémentaires. Mais je suis revenu sain et sauf, j'ai pas de bonus pour ça. Ah, voilà, bonus revenu sain et sauf, génial. Continuez. Alors, est-ce qu'il y en a au moins un qui va monter, les deux là, qui vont monter le level? Ok, ok. Nouvelle compétence, centre, alt, photo, ça veut dire quoi ça? Les photos de reconnaissance peuvent être prises à altitude moyenne. Yes, ok, ça c'est pas mal. Peut-être que maintenant je peux passer au-dessus de la base pour prendre les photos sans que les gars me repèrent. Même peut-être que j'attends à altitude haute pour ça. Ok, donc là, regardons mon avion. Est-ce que je pourrais augmenter son blindage? On a de la marge où je pourrais améliorer les tourelles. Tourelles ou blindage? Bah tiens, on va faire ça, un vote. Pour l'épisode suivant, votez est-ce que j'améliore les tourelles ou le blindage? Ou l'équipage, comme ça vous avez le choix entre les trois, et je prendrai ça en compte pour l'épisode d'après.
Voilà, merci à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.